Ah oui, on a plein d'eau partout. On pourrait inonder une ville tellement qu'on a de l'eau. Bienvenue, bonjour, bonjour, bienvenue pour ce magnifique week-end. Donc, ouh la vache, ah oui quand même, c'est un peu tard dans la journée. Alors la dernière fois, on avait fait quoi? La dernière fois on avait fait pas mal de trouvailles. La dernière fois on avait trouvé la photo. Nous avions trouvé la photo, celle-là. Examiner, voilà. Ah, donc c'est plutôt sympa d'avoir trouvé un nouveau truc du DLC. Hein. Enfin, du DLC, non, de la mise à jour. Une nouvelle chose. La dernière fois, on avait trouvé ça. On a aussi fait beaucoup de la carte. Honnêtement, c'est vraiment cool, cette mise à jour. Ça permet en intrus, en fait. Je pense que c'est surtout intéressant pour l'intrus, le coup de la mise à jour. Donc ouais, c'est quand même bien bien utile. Donc là on a danger, là on a l'élan. Là on a l'élan. Donc nous on est ici. On est à cette base là. On était allé tout en haut. On avait donc trouvé le... On était allé à la transmission. Elle est pas vraiment loin la tour de transmission honnêtement. Ici on a du charbon. Ça c'est bien en fait de pouvoir mettre ça. On pourrait mettre même des caches de pierre. Les caches de pierre, on peut les renommer, mais ça, on peut pas les nommer. Ce serait bien qu'on les nomme, en fait. Bon, après, bon. C'est pas grave, on n'a qu'à juste se rappeler ce qu'il y a exactement. On a une grotte là pour se cacher. Puis après, on était allé là. Donc, on a trouvé différents terrains de chasse de lapins, en fait. Là, ici, et je crois, un autre quelque part d'autre. Après, on avait trouvé donc l'épave de l'avion. Ah, on avait dormi une nuit ou deux nuits ici. Et après, on est revenu. Et on avait fait à peu près tout le tour, en fait. On avait fait à peu près tout ce qu'il y avait de très important, hein, voilà. Donc, moi, maintenant, j'ai envie d'explorer. Donc, j'avais parlé de l'église. Donc, je pense qu'on va faire l'église, qui est normalement par là. Et après, on va faire tout ce côté-là. Et peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose ici aussi. Genre, parce que là, c'était la ferme. Il y avait quelques montagnes et tout ça. Donc, peut-être qu'il y a des chemins et tout. Ah, donc voilà, en gros c'est ce que je voudrais faire. Pour ce qui est de l'équipement, on est à 36 kg, donc on a le basique. Cette flèche là, il faudra la casser quand elle sera trop basse. On a encore notre livre, on a des torches si jamais. On a notre sac de couchage. On a du tissu, il n'y a pas de problème. On a de la viande. On va en prendre un peu plus parce qu'on va partir... Enfin... Ouais, on va partir à l'église, on va sûrement trouver des choses. On va sûrement trouver pas mal de choses, donc on n'a pas besoin de trop s'encombrer, on va dire. Le bois, on va le laisser. On va juste peut-être prendre un peu d'eau, comme ça, ça évitera d'en faire. Genre comme ça. Ah oui, par contre pour l'été, ouais non l'été on est bon, on a 10, 5 et 4, c'est bon. Ouais, on y va. J'entends aucun vent, donc peut-être qu'on a un bon temps. Ce serait bien, un beau temps. Ça fait très froid, d'accord, ok. On va prendre ça, et on y va. Et on y va. Donc on va se débrouiller un peu, il va sûrement avoir des loups là-bas. Par contre, est-ce qu'on a du... Ouais, on en a 9. Ah, il va sûrement avoir des loups. Donc on va sûrement devoir peut-être chasser un peu. Donc on récupérera de la viande du coup. Mais on va voir. Bon, par contre, il fait un peu froid. On va sprinter un peu. En plus, il est presque midi déjà. On s'est réveillé tard. Donc on va avancer. Donc là, on a notre pont. La chute d'eau, elle est juste là. Ah, on a des cerfs, donc pas de loups ici. Peut-être les loups, ils sont plus loin. On va voir. Mais on a un cerf, ce qui est bien. On a des champignons à récupérer. Ah, le temps s'améliore un peu, maintenant. Je crois qu'on a moins froid. Secteur boisé. Ouais, on a un peu moins froid. C'est bien un cerf, ça, c'est pas un élan. Oui, c'est un cerf, ça. Oui, c'est un cerf. Donc ça va. Bon, déjà, l'endroit est cool. Si jamais on veut chasser du cerf, on peut aller venir juste là. On va peut-être...
marquer le terrain? Je sais pas trop, honnêtement. Là, on a plein de palettes à détruire, si on veut. Trois cerfs! Eh non. Ça nous en fait, de la viande. Ah, on vient... Il y a un loup. Ah, on viendra aller chasser si on en a vraiment besoin. Il y a un loup qui arrive vers moi. Je crois qu'il m'a flairé. Ouais. Ah, il a eu peur, j'ai cru qu'il allait sur le cerf, mais en fait non, il a eu peur. Par contre, s'il va sur le cerf, on va être un peu obligé de le tuer, parce que comme ça, ça nous fera de la viande un peu facile. On va voir s'il revient vers nous, ou alors s'il va sur les cerfs, parce que là, il est vraiment à côté des cerfs, en fait. J'ai pas envie de perdre un cerf, quand même. J'arrive pas à l'entendre, et là la dune me fait un peu peur. C'est emmerdant, il va vraiment sur les cerfs, on va être obligé de le tuer. Là on a le cimetière. On va être obligé de le tuer. Parce que là, il est en plein milieu des cerfs. Il va tuer les trois, sinon. Par contre, j'ai pas envie qu'il me flaire ou qu'on lui fasse peur. Il est allé où, ce con ? Après, il est en train de les pousser vers la maison. Il y a un bois là-bas. Ah, il est en train d'en manger un. Ouais. Il fait combien exactement? Moins 10. Moins 10. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de bois. 7. Faut qu'on trouve un peu plus de bois et on va faire un feu directement. Comme ça on prend la viande. Par contre on commence à avoir un peu froid. On a des thés, c'est pas grave, on va se réchauffer avec les thés. On va prendre ça directement, sinon je vais oublier. Un peu plus de bois, un peu plus de bois. Pas grand chose. Là-bas il y a un cerf, là il y a des petits bois. On va voir un peu, ça va, le risque d'hypothermie, ok. Il fait pas extrêmement froid, donc ça va pas être très compliqué de se réchauffer. Mais faut quand même qu'on se réchauffe. Qu'on ait le temps de récupérer la viande en fait. Là, il y a des massettes. On va essayer de récupérer 2-3 branches de plus et après on fait le... Oh, il y a un cadavre. 2-3 branches de plus et après on fait le feu. Il y a plein de massettes, hein. On peut faire le plein de massettes. Hein. Ça, c'est vraiment bien. Si jamais on a vraiment besoin de massettes pour telle ou telle raison, on peut les récupérer ici.
On est en train de perdre beaucoup de vie, mais bon. De toute façon. Pas très très grave. Allez, c'est bon, on va faire le feu. C'est bête qu'il soit là, parce que s'il était à côté des... Genre des palettes et tout ça, ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment cool. Genre à côté des palettes, on aurait pu casser les palettes en même temps. Là, on va pas pouvoir, je crois, faire cuire en fait tous les morceaux de viande. Faut qu'on récupère la peau du cerf aussi. C'est pour ça que je veux me concentrer sur le cerf, parce que du coup, il y a la peau. La peau, c'est pour nos vêtements. Voilà. Si jamais il fait vraiment trop froid. Par contre, c'est un endroit un peu chiant avec les hautes herbes. Si vraiment il fait trop froid, on... On va faire la hache, la scie, pardon. On utilisera les thés si vraiment il fait trop froid. On va manger ça. Ah, du coup, on aurait même pas dû prendre de la nourriture. Enfin, on n'était pas au courant, on savait pas que ça allait se passer comme ça. Donc, c'est pas très grave. Voir la peau. On va d'abord prendre la peau. Alors il y a un truc, c'est qu'on va peut-être rentrer à la maison. Je vais être honnête, on va peut-être rentrer à la maison. Au lieu de continuer vers l'église. Parce que du coup on va avoir plein de nourriture. Là, enfin on a plein de viande, donc j'en sais rien. En plus il fait pas froid. Donc autant en profiter. Et puis il va faire nuit. Ah, il y a le vent qui se lève. Combien on a 4. On va prendre les plumes. Les cailloux, plumes. On va prendre le reste. On va prendre le reste à la scie. Ça va aller plus vite. Le vent va peut-être souffler le feu. J'ai peur que... Ça, c'est la viande à manger. 19 minutes. Du coup, on peut faire ça aussi. Bon, bah, ça va. On avait besoin de réserve de nourriture, honnêtement. Puis là, bah ouais, c'est bien tombé. Hein. Qu'est-ce que... Oula, il y a une sorte de filtre assez sympa. C'est joli. C'est joli comme ça. Ça fait un bon screenshot, ça. Ah, c'est beau, ça. Très beau screenshot. Les couleurs sont vives et tout ça. Joli. Voilà. On n'aurait pas besoin d'été. Réchauffe d'été chaud là. Alors ça, 36 minutes, encore les plumes.
Les plumes sont quand même assez aléatoires, hein, je veux pas dire. Des fois, il n'y en a pas du tout pendant plusieurs jours, alors qu'il y a la carcasse et les corbeaux. Des fois, elles viennent directement. Ouais, c'est quand même aléatoire. Le feu va sûrement s'éteindre dans pas très très longtemps. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison qui pourrait nous faire perdre du temps? Parce qu'en fait, on n'est pas assez fatigué. Donc il faudrait faire quelque chose pendant la nuit. On pourrait casser des choses à l'intérieur du bâtiment. Genre les chaises et tout ça. Il n'y a encore qu'une heure de feu. Donc on a encore 3 morceaux de viande à cuire. On pourra pas tous les faire. Alors, on va prendre les boyaux. Attends. On va prendre des boyaux. Utiles pour le fil et tout ça et pour accommoder. ...49 minutes. Je crois que ça passe avec ce morceau de bois. Je crois que c'est bon. Oups, 45. Ouais, parfait. Parfait. Voilà, on a les deux... de boyaux. Là on a... Donc j'ai dit que la fourrure on s'en foutait un peu, on va prendre le boyau là. Je pense qu'on peut partir. Je pense qu'on va y aller. Ouais, on y va, allez. On rentre. Ah bah voilà. Bah, ça c'est une bonne sortie, hein, je veux pas dire, mais... C'est franchement des bonnes sorties, hein, quand tu sors genre une petite journée. Y a pas de problème de chaleur, de vent et tout ça. Tu tombes sur un... Un ours, un loup qui a attaqué un cerf, tu one-shot le loup. Et... Ah ouais, là on peut pas se plaindre. Hein. On peut vraiment pas se plaindre. Et c'est juste à côté de la maison aussi. Et on a cuit aussi, c'est qui est important. On a cuit quasiment toute la viande qu'on avait. Je crois qu'il y a quoi? Un steak qui nous reste? Et c'est tout. Donc, tranquille, quoi. Vraiment tranquille. Du coup, elle est pas super fatiguée. Je suis en train de me dire, peut-être qu'on peut ressortir, s'il a pas l'air de faire très froid. On peut ressortir et aller dormir, en fait, dans l'église. Ça pourrait être une solution. Comme ça, on avance un peu, vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, sinon, on va pas avancer. Alors, ici, on va mettre ça. Et après, là, on a 1 kilo. Voilà. Et après, on a le loup ici. Voilà. Eh ben. Ah, bah là, bingo, quoi. Bingo, bingo. On a récupéré aussi, donc... Alors, il y a un bout de bois qu'on va mettre là. Ça, très bien. On a les boyaux. Les boyaux, je les ai mis où, les boyaux? Là. 3 boyaux de plus. On a une peau de cerf en plus. Très bien. On a aussi quelques plumes.
5 plumes, c'est pas... c'est très très bien. On a 3 morceaux de petit bois. Hop. Et... on est bon. Et on est bon. Très très bien. Très 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 bien. Donc, pas trop fatigué. Ouais, on va aller dormir à l'église. On va même courir. Comme ça, ça la fatiguera en fait quand on sera à l'église. Et du coup, on pourra dormir directement toute la nuit à l'église. Vous voyez ce que je veux dire? On va prendre un peu d'eau. On est à combien? 3 litres, c'est très très bien. Eau non potable, non potable. Ça marche. La nourriture. On va prendre... on va prendre 4 steaks. On va prendre 4 steaks. Comme ça, on les laissera à l'église. 1, 2, 3, 4. Et un qu'on va garder sur nous. Voilà. Ça fait beaucoup de nourriture, mais on va laisser ça à l'église. On va en laisser genre 3 ou 4 devant l'église. Comme ça, on va pouvoir genre recamper à l'église si jamais on en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de revenir chez nous, quoi. Complètement chez nous. Parce que la route est quand même loin. Enfin, c'est pas loin, honnêtement. Voilà, on le fait en quoi? En 2 minutes. Mais en 2 minutes, c'est en sprintant, donc ça la fatigue. Si après on marche et que le temps est mauvais, bah on va avoir froid, on va perdre de la vie, etc. Donc c'est un peu relou. Donc du coup, je préfère... vu qu'on explore là-bas, je préfère rester dans les parages. Et puis de toute façon, après on a les cerfs, hein, si jamais on a vraiment besoin de nourriture. Faut qu'on regarde plus en haut s'il y a encore des bois récupérés à scier. J'ai remarqué, je me concentre à faire ça un peu plus souvent en fait, le coup du loup qui tue les cerfs. C'est vrai que c'est quand même pratique. C'est 2 kills faciles en fait, à chaque fois. Donc j'avoue que je commence un peu à me concentrer pour essayer de faire ça tout le temps. Enfin si on a l'opportunité de le faire, évidemment. Mais c'est vrai que c'est utile quand même. Bienvenue à l'église. Range l'arc. Range l'arc, j'ai dit. Voilà, ça on le laisse, ça on le garde. On a que ça sur nous, ouais, on a que ça, ok, ça marche. Il fait même pas froid. On peut même aller... Par contre, il fait pas froid, mais on va pas pouvoir faire ça. Si... Ah si. Très bien. Ça aussi. Alors, attention, je vais balancer une idée. Que Interland là, va sûrement récupérer. Ah, il faudrait un skill par rapport au dessin. C'est un peu comme la couture et tout ça. Plus on dessine et mieux on... Mais pas que ça soit extrême, attention, pas que ça soit complètement OP. Pas que l'on puisse dessiner la map en entier, en un dessin. Mais, que à chaque fois qu'on dessine, on prend un peu d'expérience et quand on monte de niveau, on dessine un peu plus à chaque fois. Genre le rayon d'action du dessin est plus grand. Ça serait pas mal, hein. Rendre le jeu un peu plus RPG dans le sens où... oh, il y a des lapins, là. Ou genre vraiment toute récompense. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment toute récompense à chaque fois. Genre le fait de vivre dans le jeu augmente les niveaux. Il y a un jeu qui fait ça très bien et c'est bizarre parce que ça c'est pas vraiment un jeu de survie. Quoique dans le sens, oui, c'est peut-être un jeu de survie. Il y a Escape from Tarkov. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le jeu qui se veut réaliste, FPS et tout ça, hardcore et tout. Mais je parle pas de ce côté-là, en fait. Je parle du côté que... Oh, il y a des bois.
Il y a aussi des... Oh putain, c'est un cerf qui est devant moi. Oh la vache. Vous voyez, je parle et j'ai pas entendu le cerf du tout. Ça aurait pu être un élan ou un ours, on était mort. Mais il y a beaucoup en fait, il y a un gros côté RPG dans Escape from Tarkov, avec des niveaux par rapport genre à l'endurance, à la force. Genre si vous avez la force plus élevée, vous sautez plus loin, vous sautez plus haut. L'endurance vous permet de sprinter plus longtemps. Non, c'est lui que j'ai entendu. Les trucs comme ça. Mais ça, en fait, ça prend énormément de temps à monter. Genre, plus vous tirez avec une arme, plus vous allez maintenir le recul de l'arme, par exemple. Mais tout ça prend énormément de temps. Ça prend des heures et des heures. En gros, les développeurs ont fait ça dans l'idée que certains skills, en fait, vont prendre peut-être des fois des mois à monter. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des années. Mais c'est pas non plus pété, en fait, d'avoir des skills augmentés. Vous pouvez toujours tout crever en une balle, hein, y a pas de problème. Hein, c'est pas genre super OP. Mais ça va vous aider dans les déplacements et tout ça. Le fait de pouvoir sauter plus haut, sprinter plus longtemps et tout ça. Et je trouve qu'ils l'ont bien balancé dans un sens que, vu que ça prend beaucoup de temps... Après, vous pouvez un peu vous entraîner, genre porter de l'équipement un peu plus lourd. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est pas genre immédiat, vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que dans The Long Dark et dans les jeux de survie en général, ils peuvent faire un système qui dure aussi longtemps. Pas que... Bon, après, il faut dire que il y a un truc qui est bien quand même dans The Long Dark comparé à beaucoup d'autres jeux de survie. Par exemple, les niveaux, en fait, mettent assez longtemps à monter, on est d'accord, hein. Tout ce qui est allumage de feu, cuisine et tout ça, ça nous a pris, je sais pas, peut-être au bout du... Je sais pas, 30 jours, on était à peine niveau 3, un truc comme ça. Donc ça prend du temps, c'est bien fait. Mais il pourrait peut-être rajouter plus de skills et des choses qu'on apprend en fait en fur et à mesure qu'on vit en fait dans le jeu. Ah oui, par contre ça va être un problème. Église Saint-Christopher. J'avais complètement oublié le fait que... Bah ouf, oui, on va rien voir en fait. Suivez la lumière. Suivez la lumière. C'est bon, on a trouvé le lit, c'est bon. On est bon. Mais ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Un côté un peu plus... Un petit côté RPG qui pourrait rajouter au jeu. Avec plus d'habilité, plus de skill. Genre par exemple, rien que de... Il y a des défis par exemple de courir dans le... Enfin de rester dans un blizzard. Et ben au lieu d'en faire un défi, genre faut rester plusieurs heures dans un blizzard. Faites-en une habilité par exemple. Vous faites une habilité genre résiste au blizzard. Genre plus vous restez dans le blizzard, plus vous montez de... Plus vous prenez de l'expérience. J'essaye de perdre un peu de temps, comme ça on va dormir et on va se réveiller, il fera jour. Plus vous prenez de l'expérience... Et après, par exemple, moins vous êtes freiné par le blizzard, parce que c'est vrai que d'être à contre-vent et tout ça, c'est vraiment une catastrophe. Vous êtes à deux à l'heure, c'est extrêmement chiant et tout ça. Mais voilà, que ça soit un truc qui monte, genre une habilité qui monte automatiquement, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire activement une chose pour monter niveau, pas comme, par exemple, faire un feu ou faire de la cuisine et tout ça. Bref, le jeu pourrait bénéficier de choses comme ça. Pourrait vraiment bien bénéficier de choses comme ça, je pense. Ça pourrait bien s'inclure dans le jeu. Nous sommes en pleine forme. Et il fait encore jour. Encore nuit, pardon. Ah, on a récupéré toute notre vie, c'est cool. Ça. Je vois strictement. J'ai pas envie d'utiliser une torche. Jeune érable vert. Je l'ai pas posé ça, on en a récupéré un autre. Ah oui, si, on en a récupéré un autre, je suis bête. On a ça. Recycler, ouais, c'est 10 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a pas beaucoup d'heures, hein. Donc il n'y a pas grand chose à attendre. Ah oui, bah tiens, on pourrait faire ça. Pour passer le temps.
Oui, on a toujours ça. Bon, ça c'est rapide. Comme ça s'est fait. On en a qu'un seul. On est bon. On pourrait sortir, essayer de récupérer un peu de bois aux alentours. Ça nous ferait passer le temps, au lieu... parce qu'après on peut rester à la... dans l'église et attendre, mais bon, ce serait un peu une perte de temps par contre. Voilà. On va peut-être faire ça, c'est peut-être mieux. Ah, vous voyez, en parlant de blizzard et contre-vent, vous voyez comment c'est chiant? On a les massettes à récupérer, mais on va pas le faire. Par contre, on voit rien. On va essayer de monter là, sur notre droite. Voir si on peut pas récupérer quelques trucs. Alors là, on arrive dans un territoire un peu dangereux. Donc, il faut faire attention. Je l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu. Il était blanc. Sur blanc. Ok. Comme ça, avoir froid. Et pas de bois. J'entends des loups hein, gueuler. On va rentrer. Bon, pour l'instant, je vois pas grand chose. Il n'y a pas de bestiole, rien, ça bouge pas. C'est un peu bête, il n'y a pas de bois par terre. On a juste une descente là, avec un, une route et tout ça. Pourquoi je me fais chier moi, au risque de, me péter une cheville, hein? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Alors ce qu'on va faire, on va faire ça. Il me faudrait le lit. Oh merde. Elles sont où les lits? Ok. Je sais que le lit est sur ma gauche. Ah! Ok. Embêtant quand même. Embêtant de faire ça. Allez, vivement qu'il fasse jour. Le jeu pourrait bénéficier d'un... j'ai envie de dire de retravailler l'effet de lumière. Je pense que le jeu pourrait bénéficier de ça. Ils vont pas le faire parce que ça prendrait trop de temps. Ça serait trop la merde à faire. Le jeu marche très bien comme il est. Mais genre que ça soit plus graduel par rapport à la lumière. Parce que genre noir, noir, noir. Et après quand il commence à faire jour, c'est genre en 2 secondes t'as la journée quoi. C'est un peu... c'est un peu embêtant. Ce qu'on va faire... fait que j'ai rien à faire. Ah peut-être... attends, on a un livre à lire. Voilà. Voilà. Ah, fabrication de munitions, vétéran, niveau 3. On fait voir un peu ce qu'on a gagné. Niveau 3, qualité des munitions fabriquées 60%, 70% de chance de récupérer un composant de munitions. Cool. Alors là, on a des livres. Fait pas très très lumière hein, ici. Hein. C'est pas très très lumière. Ah, le lit, il était là. D'accord, il est en hauteur, en fait. Par contre, il y a plein de... je
vois rien dans le seau. Il y a plein de livres. L'église n'est pas top, hein. Honnêtement, j'ai rien, j'ai jamais trouvé de choses intéressantes, je vais être honnête. Ces morceaux de bois, j'ai envie de les garder sur moi, enfin quoi que ça sert à rien de les garder sur moi. On peut manger ça. Ah oui, j'ai eu des commentaires en disant, normalement on peut manger les objets à 0%, vu qu'on a cuisine 5. Techniquement c'est vrai, mais c'est moi qui le fais pas, parce que déjà que la cuisine niveau 5 en fait, rend le jeu quand même extrêmement simple. Quand je vois 0%, pour moi c'est genre truc immangeable, donc je le fais pas. Voilà, en gros c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont parlé de ça, et, sur le coup... je pense pas l'avoir dit une fois en fait, de pourquoi la plupart du temps quand je voyais du... Ah, là il fait jour. Quand je voyais du 0%, je le laissais de côté, je le mangeais pas même avec cuisine niveau 5. C'est un peu le réflexe déjà, sans avoir la cuisine niveau 5, mais c'est vrai que... aussi, vu que le jeu devient extrêmement simple pour se nourrir, je préfère rajouter un peu de roleplay là-dedans. Bon, on fait quoi avec ces bouts de bois, moi? Je les laisse là ou je les prends avec moi? Parce que j'ai peur de les oublier, comme d'habitude. On va les laisser là pour le moment. Allez, on sort. On va se balader encore un peu plus. Il fait froid. On a un temps au potable, mais il fait froid. On va passer par là. J'aime pas trop là qu'il y ait plein de montées. On va passer sur la droite. La gauche, pardon. C'est un peu plus visible en fait. Si jamais il y a quelque chose en hauteur, on le verra vite. Là, là on voit rien. Ah bah tiens, en plus il fait du brouillard. Bah tiens, voilà. Il manquait plus que ça. On va récupérer du bois aussi. Il y a plein de morceaux de bois à couper. Genre faire des bûches. Ça serait utile. Si jamais il fait chaud, on pourrait tenter de faire des bûches. Alors on va se mettre là et on va se mettre en hauteur pour dessiner. Est-ce que quelque chose se cache en haut? J'ai pas l'impression. Ah, on a un bungalow là. J'ai l'impression qu'on est bon. Ah bah du coup on va dessiner à côté. On va passer par là, si j'ai pas envie de redescendre. On va faire ligne droite. J'entends rien, ça va. On a des baies. Ah, le périmètre a l'air... Le périmètre a l'air cool, a l'air ok. Alors, par contre, on va pas dessiner directement parce qu'il fait froid. On va d'abord se réchauffer. Ouh, on va prendre ça. On va prendre ça. Il y a encore des baies à récupérer vite fait. Ok, maintenant on a froid. On va d'abord récupérer les baies. Comme ça, si on a des baies, ça veut dire qu'on va pouvoir les préparer à l'intérieur si jamais il y a... si jamais on veut perdre du temps pour se réchauffer. Vous voyez, parce que... je reviens encore sur ma discussion par rapport au niveau.
Parce que comme je parle de la cuisine niveau 5 et tout ça, une fois que c'est fait, comme j'ai dit, ça sert un peu à rien de cuisiner, enfin, à part pour manger vraiment. Mais on a l'impression que ce qu'on fait... Je crois entendre un truc. On a l'impression que ce qu'on est en train de faire, en fait, a moins d'impact sur notre gameplay, sur le jeu en général. Donc ça pourrait être bien. Oh, c'est vrai qu'il y a un établi ici. Mais yes. Oh. On pourrait complètement aller à l'établi ici en fait, au lieu de se faire chier à la ferme. Parce que la ferme c'est le froid, c'est à l'extérieur. Ah oui, ah c'est bon ça. Il faut que je m'en rappelle qu'il y a un établi là. Bon, que je m'en rappelle. Est-ce qu'on a une peinture qui dit genre établi? Vêtements, outils. On peut mettre outils. Ouais, on pourra mettre outils peut-être. Je dis, je pense. En plus, on peut même dormir, il y a un lit. Il y a une lampe. Ah, par contre, la lampe, elle est lourde. Ah, ça c'est vraiment, vraiment bien. J'avais complètement oublié. Je pensais que dans ma tête, pour moi, c'était... 27 minutes? Je voulais le faire, en fait, pour débarrasser ça. Pour pouvoir mettre le bois ici. merde, alors. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. La lampe. Elle est pleine en plus. On va faire ça. Il n'y a rien d'autre. Ah mais c'est vachement bien là. Ah c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais pour moi le seul établi qu'il y avait c'était à la ferme. Donc du coup, on n'y retournera pas à la ferme pour faire ça. Il y a le marteau, on l'a récupéré. Ah oui, non, si, on l'avait ramené le marteau. Donc ça, il faut le noter sur la map. Alors déjà, j'ai envie de faire ça. Ah, très bien. Et après, alors, on a dit outil. On fait outil là ou on fait outil derrière? Dans la porte. Sur la porte. Sur la porte? Je sais pas. On va le mettre là. Là. J'ai envie de le mettre sur la porte. Ah, c'est chiant. Voilà, très bien. On va rentrer, on va se réchauffer. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Donc le jour où on veut faire nos flèches... Faudrait même prendre les bois et les mettre ici. Les bois qu'on a trouvés à l'église. Faudrait même les ramener ici. Alors on va se balader. C'est quoi ça? C'est un loup, ça. Ah, on a bien fait de pas passer sur la droite. C'est des loups. On va continuer sur la gauche. Pas extrêmement froid, ça va. Oh, des lapins. Des petits lapins.
Très bien. Alors, j'y suis jamais allé avant, mais en... J'entends des loups. En théorie, on devrait avoir une grotte pas très loin. C'est quoi ça? Qui nous permet d'aller... Ah! C'est pour ça que j'ai commencé à en parler. Parce que je pensais qu'elle était par là. C'est peut-être que c'est elle. Est-ce que c'est une grotte où on peut rentrer ou c'est un cul-de-sac? Attends, mais il y a du... Non mais attends, il y a du... Tu me fais rentrer dans la grotte alors que... Oh putain, on va strictement là-dedans. Oh là, mon dieu. Ah d'accord, bon, faudra prendre la lampe. Bah la lampe, c'est très bien qu'on l'ait laissée là-bas en fait. Très 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 bien. Comme ça, on la récupérera. Donc cette grotte... Alors je suis pas sûr. Bon déjà, on la dessinera. Cette grotte, je suis pas sûr. Je crois que c'est possible que ça soit elle qui mène à la vallée de la rivière calme, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Donc on pourra faire des tests. Je peux peut-être me tromper. Parce que Milton est comme ça. Là t'as le Muskeg Morne. Là t'as la rivière, donc là c'est le bas. Après t'as les montagnes pour monter à Milton. Et là on est arrivé derrière Milton. C'est possible que ça soit elle. C'est possible que ça soit elle. Pas sûr, pas sûr. On va dessiner. Très bien. Ça même dessiner les lapins, c'est cool. Oh. Ah, ça sert. Donc si c'est elle, c'est bien. Parce que j'avais dans l'idée d'aller là, dans l'autre zone, une fois qu'on a fini avec Milton. Parce que je crois que Milton, il reste pas grand chose à faire, honnêtement. Je peux me tromper, hein, mais... On a fait genre les hauteurs avec la tour, on a fait le bas avec la ferme. Après, ce qu'on aurait pu faire encore, mais bon, on était sur le chemin pour aller à Milton. Il y a des loups là-bas. C'est redescendre les corps, vous savez, d'où on venait. D'où on vient en fait, au tout début. Là-bas, il y a des corbeaux. Oh mon dieu. Et aller se... Merde, il m'a déjà vu. Et aller se balader de ce côté là-bas. Enfin, de... en bas. On va aller sur la route pour aller dans la voiture. J'ai envie d'aller voir d'abord le cadavre. Cadavre ou... Cadavre ou alors carcasse, on va voir. Cadavre. Avec beaucoup de bordel. Oh putain, on va être... Ok. Parce que là, on est dans un cul-de-sac, là. Non, on doit pas être... Non, on n'est pas assez proche, ça va. Ah ok, on est bon. On est bon, on est bon. T'es trop loin. On va attendre qu'il parte un peu. Ça, c'est combien? C'est 300. 300. Va-t'en! Va-t'en! Tu sers à rien! Chut! Arrête de gueuler! Eh oui, je suis dans une voiture, tu peux pas rentrer dedans. On la casse celle-là ou pas? De flèche. On a pas mal de plumes, peut-être que ça sert un peu à rien. Par contre, il fait froid en fait, c'est con ce que je fais.
Non, c'est bon, on est bon, on est bon. Par contre, on a froid. Alors, on va devoir faire demi-tour. Bon, ce loup est un problème. Faudrait le déloger. Ce loup a un problème, surtout s'il campe en fait sur la route comme ça. On peut aller par là? Où est-ce que je vais là? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ouais, qu'on se réchauffe. C'est un éboulement. Là, il y a le pont. Il fait pas assez chaud, hein. Il fait pas assez de lumière pour, un, pour utiliser la loupe, hein. On est d'accord. Ah si, on peut. Ah. C'est quoi ça en fait? Ah non, c'est un tronc d'arbre. J'ai cru que c'était un ours. on va faire un feu et on va se réchauffer. Par contre, je voudrais bien faire un feu en hauteur, comme ça on peut... Il y a des lapins. Comme ça on peut dessiner un peu mieux. On va essayer de faire un feu sur le pont. Par contre, il faudrait peut-être un peu se bouger, le temps que... Oh, il y a une voiture. Si jamais... si jamais le... Comment dire... le temps change en fait, s'il n'y a plus pas assez de lumière. On pourrait même prendre un lapin vite fait pour le faire cuire. Donc la flèche est bien cassée. Du coup. Comment on monte? On passe par là, je crois. Champignons. On va aller sur le pont, puis après on va refaire un tour. Oh mon dieu. Comment je fais là? Comme ça? Oh la vache! Pas très safe ici. Voyons. Faut qu'on se bouge là parce que on est en train de vraiment d'avoir froid. Ok, très bien. On va faire un feu, on se réchauffe. On se réchauffe vite. On va faire cuire la viande aussi du lapin. Je suis en train de me dire on pourrait peut-être même se mettre dans la voiture parce qu'il fait jour et tout. Peut-être qu'il fait pas très très froid. On pourrait même se mettre dans la voiture, mais bon. On va en profiter avec de la lumière. Par contre, j'aurais peut-être pas dû le mettre là, le feu. Parce que j'ai peur qu'on sorte et qu'on sorte directement dans le feu. Ça serait un peu con quand même, non? On va se remettre là-dedans. Parce que de toute façon, on a le feu et en plus de la voiture, la chaleur de la voiture. On va faire ça. On va récupérer la viande.
20 minutes. Voilà, je récupère la peau, c'est important. C'est un peu chiant de faire ça à chaque fois. Voilà. On fait ça, comme ça tout est fait, et on dessine maintenant. On a encore 20 minutes. Tout au pot, pot. Oh la vache. Oh la vache. Il y a un ours, apparemment. Oh non, il faut baisser le capot, on voit rien. Il était un peu proche celui-là, non? On va devoir passer par autre part que le pont. Si l'autre il est en train de camper le pont, laisse tomber quoi. Dépêche, dépêche, dépêche. Il est en train de me foncer dessus? Non, ça va. Non, ça va. Mais il m'a vu. Il m'a senti en fait. Il arrête pas de faire demi-tour. Bon, ça, il fait pas très froid. Ça, c'est bien. Après, on pourrait se le faire maintenant. Mais j'ai pas vraiment envie de me le faire maintenant en fait. Parce qu'on est... Enfin quoi qu'il fait pas très froid. On pourrait, hein. On a de l'eau, on a de la nourriture. On pourrait le... Ouais. Il doit péter un câble chaque fois qu'il fait des allers-retours. Non, ça non. Ah putain, je suis bloqué. On a reflairé. Qu'est-ce qu'on fait? On le chasse maintenant? S'il fait pas froid. Il va bientôt faire nuit par contre. Va bientôt faire nuit. Ouais. On a de la nourriture, on peut tenir. Je sais pas. Ça m'embête d'être aussi loin en fait. Oh merde, il est juste là. Putain, mais il est rapide ce con! Il est rapide, vache. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah, réfléchis, réfléchis, qu'est-ce qu'on fait? On peut le tuer maintenant. Après, il y aura plein de viande à récupérer. Ça va être un peu embêtant. Il y a son... Je crois que c'est son repère, là. Éboulement. Alors, on va monter par là. Ah, on pourrait revenir plus tard pour le tuer. Par contre, c'est un peu embêtant. C'est que le problème, en fait, c'est qu'à chaque fois, il faut réfléchir. Si on le tue maintenant, il va falloir qu'on récupère la peau, il va falloir qu'on récupère la viande. Il va falloir qu'on récupère tout. Mince, ça retombe. Non, ça va, il peut pas venir. Après, c'est vrai que la peau, ça serait vraiment utile.
de l'avoir maintenant. Comme ça, on l'a fait sécher. Comme ça, on l'a fait... Je sais pas où je suis. Je crois qu'on va monter... Ah, il y a une grotte, là, non? On va monter un peu et on va... et on va dessiner parce que là, je sais pas vraiment où je suis. Je crois qu'il y avait quelque chose qui bougeait là sur ma droite. Alors c'est quoi comme grotte? Ah oh, ok. Alors attends. Intéressant. Oh, ça fait pas partie de la galerie. On est déjà venu là, non? Grand chose. Ah, c'est pas très très clair. C'est pas la même galerie. Genre ça? Genre ça, c'est pas connecté? Peut-être pas. Non, on n'est jamais venu là. Ah, on peut passer dessous. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois un peu, mais c'est pas énorme non plus. Là, il y a quoi? Du bois. Wow, wow, wow. Qu'est-ce que tu me fais? Je sais pas pourquoi je fais ça en fait. Je sais pas pourquoi je... Pourquoi ça sert à quoi de taguer ça? Honnêtement. Il y a qu'un chemin de toute façon. Ça sert à quoi de taguer? Vu que l'autre c'est un cul-de-sac. Ah, où est-ce qu'on va là? Bon, déjà c'est une grotte, c'est une petite grotte. Ah, si on peut retomber sur la route, sur la ville directement et qu'on passe par cette grotte pour en fait faire le tour, pour éviter le pont, ça serait vraiment cool. On va se mettre là. Ça serait vraiment sympa parce que du coup on est tranquille. On est tranquille, on n'a pas besoin de... Ah, on est au-dessus des lapins, je crois. On n'aurait pas besoin de, pouvoir passer le... Passer le pont. Mais du coup, comment on monte? Parce que moi, je... On va voir. Bon, là, on va rentrer, hein, par contre. On commence un peu à se perdre. Oui, ça c'est la... Oui, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Donc on est là. On est là, en fait. On est ici. Donc on peut directement retomber sur, sur Milton. Mais par contre, est-ce qu'on peut monter? Parce que si on peut monter, ce serait cool. Ça nous ferait deux chemins, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas l'impression. Ah, quoique. Est-ce qu'on peut passer? Genre, et là, je peux monter ou pas? J'ai pas l'impression. Non, on peut pas. Ah merde, donc c'est un sens. Bonjour, ça va? Donc c'est un seul sens. Ah mince! Attends. On va voir un peu. Si on peut peut-être monter par là. Non, ça m'étonnerait.
Là, du coup, on devrait avoir notre... Parce qu'on avait laissé des choses, là, non? Bah, tu vois, ça sert à quelque chose de laisser des choses, des fois. On va les laisser là. Il y a quoi à récupérer sur ces lapins? Boyau. C'est pas très froid, donc... Ah, c'est embêtant, parce que là, on aurait... Il y avait des corbeaux, il y avait des... Il y a un truc que j'ai loupé. Il y a un cadavre que j'ai loupé. Mince. Ça m'embête, ça. On va rentrer et dormir, hein, et ça sera la fin de notre épisode, je pense. Mais on va voir si on peut pas faire quelque chose. Non, on va pas pouvoir le faire. Ah, ça aurait été bien. Ça aurait été bien parce que du coup, on n'a pas besoin de repasser par le pont et tout ça. Bon, mais maintenant, on a appris quand même énormément de choses. Donc, ça veut dire que si jamais on est bloqué, on peut continuer de ce côté-là. Puis après, on retombe directement chez nous. Parce que là, c'est quand même le chemin facile, quoi. En théorie, il n'y a aucun loup, rien du tout. On va faire attention quand même, mais... En théorie, on risque rien. C'est bien le bon chemin, là. Là, on retombe sur Milton, d'accord. Ah, faut repasser par la... Par la tour. Ouais, par la tour. Et on est bon. Voilà, la tour, elle est là. Les cerfs, ils sont là. Très bien. Qu'un seul cerf ici. Il a dû se perdre. Ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je crois qu'on a cartographié quasiment toute la zone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le prochain épisode? Genre, qu'est-ce qu'on peut... Alors, on a plein d'options maintenant. Donc, on peut directement partir pour l'autre zone. Mais je crois qu'avant ça, on va quand même aller chasser l'ours. Il va falloir qu'on fasse l'ours. On pourrait aller faire des flèches aussi. Parce que maintenant, on a l'établi là qui est safe. Qui est beaucoup plus safe qu'à l'intérieur. Donc, on va peut-être aller faire des flèches. Et chasser l'ours. Ouais, chasser l'ours. Chasser l'ours. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Même si on n'en a pas vraiment besoin, parce que bon, il y a beaucoup de viande et tout ça. À la limite, la viande, on la laissera à côté de l'établi. Ou alors à l'église, mais l'église est quand même loin. Enfin, l'ours, il est sur le pont. L'église, elle est loin. Donc, on prendra beaucoup de viande. On la laissera à l'établi. Ça sera notre deuxième camp, entre parenthèses. Et du coup, on pourra rester comme ça des jours. Parce qu'en plus, on peut faire du feu à l'extérieur. Et ouais, du coup, ça sera notre deuxième camp. Voilà, on a deux camps maintenant. Donc il y aura... Ce camp-là, c'est parce qu'on chasse et tout ça. On a chassé le loup, le cerf et tout ça. Et l'autre camp, ça sera... Genre, il va être... comment dire? J'essaye de trouver les bons mots. genre rationné par l'ours, en fait. Voilà. Vu qu'il y a l'ours à côté, on n'aura pas besoin de chasser autre chose. Il y aura l'ours qui va rationner tout ça. Genre là. Le pont, il est où? Le pont, on l'arrive... Le pont, il est pas sur la carte? Ah si, c'est là. Le pont, il est là.
Donc on prendra l'ours, tuera l'ours, on récupérera pas mal de viande et on ira là. Et ça sera notre deuxième camp, comme j'ai dit. Voilà. Alors après, il y a les grottes sympas, donc si jamais on a un problème, parce que c'est vrai que le chemin est un peu long en fait pour revenir comme ça, vers ça. Peut-être qu'on peut faire ligne droite, je sais pas. Peut-être qu'on peut y aller une corde, peut-être un truc comme ça. On verra. Mais sinon, on fait directement ça et ça c'est beaucoup plus simple. Parce qu'on passe par des grottes, on passe par des endroits safe. Donc on risque rien honnêtement. Bon bah ça va, on a cartographié vraiment tout, quasiment tout Milton, je pense. Ou une grande partie, on a fait tout le tour. Alors ça, le bois là. Très bien. Les bûches, tout ça, on les a laissées. Hein. Ah non, non, les bûches, on les a. Ah, très bien, on a un livre en plus. on a des boyaux en plus. Tac. On a un petit lapin aussi qui traîne, je crois, non? On l'a fait, non. Ça. On va faire ça, il va faire nuit, on va rien voir, mais c'est pas grave. De toute façon, on va aller dormir. Voilà, très bien. On a. Je vois strictement rien, donc on va mettre ça là. Pot ici. Là, on range tout. Donc cuir séché, plume, de tissu. Très bien. Donc on a 7 cuirs, on a 38 plumes. C'est quoi? C'est 3 plumes à chaque fois? Donc ça va, on va pouvoir faire quelques flèches quand même. C'est cool. On va faire ça. Celle-là, on va la vider à un moment ou à un autre. Là, on est bon. Bah, je virerai ça. Encore un. Ok, très bien. Toujours un peu d'ordre, hein. Il faut toujours un peu d'ordre parce que sinon. Alors attendez, les livres. Alors normalement on a fait celui-là, Gunsmith. Gunsmith, on le vire. Toujours un peu ordonné notre inventaire et tout ça. Donc maintenant on a celui-là. Donc ça c'est pour 25 heures! Oh la vache! Ah ouais, c'est niveau avancé, ça c'est bien. 25 heures. Il y a la gâchette de l'Ouest. C'est un! On l'a lu et je l'ai gardé sur moi. Ah, c'est peut-être une erreur de ma part, tiens. J'ai dû le garder sur moi. Donc là, on a un livre à 25 heures, très très bon. En plus, c'est pourquoi le fusil. Donc c'est bien, on va pouvoir augmenter le fusil, même si je. Voilà, enfin bref. 25 heures, donc ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, 33 kilos, c'est très bien, on est très léger. On a un peu de nourriture. Qu'est-ce qu'on fait? On la mange? Ou pas? Ah, on va la manger. Non, très bien. On va prendre une viande. Ben voilà, ben c'était une très très belle sortie. Hein. C'était une très très belle sortie. D'abord, je vais prendre un peu d'eau, sinon je vais oublier. Je dois avouer que c'était une très belle sortie. On a trouvé les bons endroits. On a trouvé les bonnes choses. Ouais, non, 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 très très bien. Très très bien. Donc la prochaine fois, c'est chasse à l'ours. Chasse à l'ours, prochaine fois. On récupère la peau, c'est le plus important. Puis après, quelques viandes, genre 5-6 viandes. Enfin, le plus possible, honnêtement. J'espère qu'il fera beau, j'espère qu'il fera beau. Comme ça, on peut aussi prendre les boyaux. À la limite, j'ai envie de. Quand on fera l'ours, qu'est-ce qu'on va faire? On va le découper directement. Vous savez, quand on découpe les proies, en fait, directement, au lieu de prendre un peu de boyaux, un peu de viande et tout ça. Comme ça, on aura déjà tous les boyaux par terre et on aura déjà toute la peau aussi par terre. Et après, on aura les sacs de viande. Alors, les sacs de viande, comme j'avais dit, ils pourrissent vite. Ça, c'est un peu emmerdant. Donc, du coup, il va falloir prendre les sacs de viande et les trimballer vite et enlever la viande. Et ça, on le fera à l'établi. Et du coup, on pourra même faire un feu à l'établi et tout ça et faire cuire la viande à l'établi. Tranquille. Ouais, honnêtement, on a un plan. Il faut juste que
que le temps soit bien et que ça se passe bien avec l'ours, et après ça sera tranquille. Ça sera tranquille. Donc avant de repartir par exemple de Milton, ce qu'on pourra faire c'est réparer nos vêtements, genre réparer ça, le manteau en peau d'ours, ou alors réparer le sac de couchage. On fera l'un ou l'autre. Voilà, quand on partira de Milton, ça sera l'un ou l'autre. Il faudrait peut-être qu'on rafistole nos vêtements, genre les vêtements tissus, non? Non, ça va. Mais je crois que ouais, ça serait une très très bonne solution de faire ça. Ouais, ça sera tout pour cet épisode. Épisode qui s'est très bien passé. On va dormir le plus possible. Et la prochaine fois, on attaque l'ours. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.